C'est bueno, je suis prêt pour la course Biking Man. Et nous voici à 10 minutes après le départ de la reconnaissance du Biking Man Run. Ne faites surtout pas confiance au GPS. Mes mains pourraient vous assurer qu'il fait absolument moins de 5 degrés. En tout cas, je suis accompagné d'un VIP, l'ami Jaco. On entre dans le village d'Étoile-sur-Rhône au départ de Beauvallon pour une reco qui s'annonce épique. Tenez-vous prêts, ça va être beau. Et l'Ardèche en novembre, ça va cailler. Bienvenue dans la première patate de Jaco. Ouais. Une sur 73. Faut gérer, hein. Le cerf de mur. De mur. De mur. Ouais. Ça s'annonce pas mal, dis donc. Ça s'annonce pas mal, ce lever de soleil. On commence à en mettre partout, on n'est pas fini. Hein. Allez, le premier. Il en reste plus que 73. Et oui, rien de mieux pour vous présenter le Biking Man. Aura. Le lever du soleil avec la légende Jaco qui nous amène sur ses routes secrètes. Et alors attention les yeux, parce que le 1000 km du Biking Man Aura, ça va envoyer du lourd. On est en novembre. Fait un peu frais, hein? Un peu frais, ouais. Si, faut le dire, faut le dire. Faut le dire. Mais... on est couvert. On est couvert, ouais. Un petit moins 3, mais regardez ça. Les monts d'Ardèche. Ah là, faut venir, faut le voir. Hein. Mais ça va être magnifique. Un parcours qui va explorer l'Auvergne et le Rhône-Alpes, d'où le nom Aura. Et on va tenter avec Jaco de vous décrire tout ceci dans cette vidéo teasing. Avec 20 000 mètres de D+ à la clé. Préparez les cuisseaux. Et nous voici dans le gerbier des joncs, symbole de l'Ardèche. Allez, c'est parti mon kiki. Comme vous pouvez le voir, on s'est un peu déshabillé. Il fait plus chaud, il fait zéro. Ouais. Au lieu de moins 4, il n'y a pas un chat. 5-4. Personne sur la route. Le gerbier des joncs, c'est 22 km. Un beau morceau. Avec le lac Saint-Martial un petit peu plus bas qu'on a croisé. Je peux pas tout vous montrer en vidéo non plus. Mais très beau. Il fait frais. Très frais. Espérons que pendant le Biking Man Aura, il fera plus chaud. Parce que le père Jaco est quand même bien habillé. Hein. Non. Il fera plus chaud. Non. Mais si, il fera plus chaud. Il raconte des salades. On arrive au sommet. Et au loin, au loin, au loin, là-bas, on aperçoit le Mont Blanc solitaire. Avec toute la chaîne des Alpes. Waouh! Pas un nuage. Ouais. Pas un nuage. Et là-bas, regardez, une petite, petite ferme qui vit au paradis. À 1400 mètres. À 1400 mètres. Toujours 4 degrés, hein? Combien? 4. Ouais, ça monte pas vite. Hein. Ça monte pas vite, bah comme nous, hein? C'est bah, bien dit ça, Jaco. Ça monte pas vite comme nous. Bonjour. Mais bon, on profite, on boit le paysage. Ça sert à rien de monter vite parce qu'on a encore un long chemin. Tu l'as dit. À peine 90 km et on en a 220 aujourd'hui. Et voici le gerbier. Magnifique, 22 km de plaisir. Et là, ça redescend. À la source de la Loire, les éoliennes au loin. Regardez-moi ça.
À sec. Bon, balisage en cours du parcours. Celui-là, il est cadeau, hein. Col du Pendu. Très très beau. Mais alors préparez-vous, hein. Hein, Jaco? Ouais. Ah bah si, il porte bien son nom. On le connaît bien. Voilà. Rien à ajouter. Jacques n'avait pas menti. Il n'y a que des patates ici. Oh, l'Ardèche. Dur. Et tellement sauvage. Croise aucune bagnole. Le froid ajoute pas mal au caractère un peu extrême et sauvage du territoire, mais Dieu que c'est beau. Donc le vent d'ouest se lève, mes amis. Ça fait mal aux genoux. Souvenez-vous-en, c'est une astuce. Là, ça bascule. Juste devant, là. L'Allier. Petite incursion en Lozère avant de rejoindre de nouveau la région de Roura et à côté de nos sacs. Après une patate qui était vraiment gratuite. Waouh! De refaire une santé avec Jaco. Allez, 7 degrés et vent de l'Atlantique d'après Jaco. Du coup, c'est beaucoup plus agréable, hein. Il fait plus chaud, on transpire moins à cause du nombre de couches que l'on a. Ça, c'est une bonne astuce à connaître. Très vigilant à la température du paysage en fonction. Ça peut vraiment avoir une incidence incroyable sur les sensations. On est à peine à 170 bornes là. Il en reste encore un peu pour arriver à Sog. Étape numéro 1 du Bikingman Hurrah. Ça n'a pas déçu, hein, pour l'instant. Oh, fin de journée. On n'est pas tout à fait encore à 200 km. Bonne fringale là, en pleine tête. Du coup. Voilà. Je vais regarder un encas de survie. On est bien là, mon Jaco? Ça va super. Hein. On est bientôt rendu. C'est bon. Bon, en français, on se caille. On caille. Il fait un froid de voleur. Probablement au moins déjà moins 3 là. Hein. Ah ouais. Oh là là. Et alors, on est à 17 km de Sog, notre étape. Ah, eh bien, je compte même plus les couches que j'ai sur moi. Je dois avoir au moins 1, 2, 3, 4, 5, 5 couches, plus le coupe-vent. Ça vous donne une idée? Voilà, Bikingman Hurrah. C'est fait, première étape. Venez préparer. Et équipé pour le froid, parce que il est très très vif et pénétrant. Beaucoup d'humidité avec plein de rivières aux alentours. Ouh ! Et voilà, ça y est, Sog, première étape. On précise quand même qu'il fait moins 1, mais à mon avis, il fait encore plus frais là. Un froid de canard. Mais alors, avec l'ami Jaco qui est là, deux fois mon âge, il y a de beaux restes. Oh ! Un froid. Allez. Jour 2, les amis, à 5h22. Les températures estimées, mon Jaco? Combien? Moins 5. Moins 5. Ah ouais. C'est simple, hein, tenir la caméra pendant 20 secondes, j'ai déjà mal au doigt. Voilà. Mais par contre, on va en direction
du pas de Pérol. Et ça, ça nous fait oublier toutes les petites souffrances pour penser à ce qui nous attend devant. Bon, voilà la première patate. 17 sur 73 en avance. Lentement mais sûrement, inexorablement, vers l'objectif. Nous sommes dans le Cantal en direction de Saint-Flour. Et on ne dirait pas comme ça à ma voix, mais il caille. L'aube est en train de déchirer le ciel. Malheureusement, la GoPro ne rend pas du tout le spectacle que nous sommes en train de vivre, mes amis. Jaco parle tout seul, tellement il est heureux. Moi aussi, je vous rassure. Ah, enlève ces gants. Oh putain. C'est pour mieux te filmer, mon enfant. Brouillard givrant. On arrive. Un petit mot sur la Margeride. On s'en souviendra. Oh mais il y en a deux là. Bon alors les gars, pas trop froid, ça va? Hein, ça va? Pas trop froid, vélo? Ça caille à la plage, mais... Pas trop froid, ça va? Ça va. T'arrives encore à tenir ton appareil photo, hein? Tu vois, j'ai l'opérage avec ton compagnon. Moi, je l'ai posé, moi. Appareil. Ah, plus l'appareil, la main dans les pockets. Radio Cyclone, on n'en parle même plus. Il a même plus de micro. Il a les gants. Bienvenue dans le Cantal. T'as du bien, mon Jaco? Ouais. Ça part, Jaco. C'est déjà ou pas, non? Jarvis, un point sur l'armure. Écoutez Tony, pieds gelés, genoux gelés, fesses gelées, lèvres gelées, gants gelés, Jacques gelé, tout gelé. Bienvenue dans le Cantal, massif du Margeride. J'ai rarement eu aussi froid de ma vie. Saint-Flour. Un bon petit moins 6, 8h49, en direction de Murat. Faut que ça se réchauffe là. Les monts du Cantal. Ah, il fait plus froid qu'en juillet, hein. C'est pas la même. Petite brume matinale de lever du soleil. Bijou. Bon bah les gourdes sont gelées donc bah t'attends pour boire. Hein. Ça rappelle la Bolivie. Mais bon la bouffe n'est pas encore gelée donc tu peux te faire plaisir avec une petite barre. Oh. On approche du Puy-Marie. Wow, 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 wow! En direct de l'ascension du Pas de Pérol, le climat s'adoucit. Une ascension mythique. En mode VIP, novembre, personne. On est en juillet et c'est la course au camping-car. On est en saison calme. Il n'y a que vous et l'écho des montagnes. Regardez-moi ça. L'Auvergne. Magnifique. Alors là, les amis, nous voici au Pas de Pérol avec l'ami Jaco. Il n'y a là, pas un chat. Regardez là, c'est ça. Quelque chose. Ah, mais il est parti. Unique. Il était là. Il a vu. Incroyable, Pas de Pérol, puis Marie, privé. Qu'est-ce que t'en penses, Jaco? Ah oui, magnifique. Exceptionnel. Exceptionnel, inoubliable. Voilà pourquoi il faut venir des en basse saison découvrir les cols de France. Descendre du Pas de Pérol. Alors là, Pas de Pérol privatisé. Et ouais, là c'est le rush hour, l'heure de pointe au périph', périph' Auvergnat. Voilà le Jaco qui arrive.
dans un territoire absolument dingue. Allez, on vous emmène au sommet du col d'Aulac. Allez, l'appel de la forêt. Attention. Forêt. Forêt. Et forêt. Alors là, la régalade. Ça sent le sapin de Noël, les amis. Et oui, fin d'après-midi, déjà 8h30 de vélo. Presque 9h dans... Viens de passer le village de Chanterelle. Orgie de paysage rural. Magnifique, regardez ça. Auvergne avec Jaco qui mange rien. Incroyable. Vous lui donnez un Twix et il pédale pendant 6 heures le gars. Moi je me fais un petit plaisir. Je file un paquet à Jaco quand même. Allez, encore 2 petites heures. Et on arrive. Magnifique ici, c'est magnifique. Bon alors mon Jaco, qu'est-ce qu'on voit là-bas à l'horizon? Le puits de Sancy là-bas, au fond. Puits de Sancy. Plus haut sommet d'Auvergne. Par une route bucolique. Magnifique. Ouais. C'est très très beau. Allez, on vous emmène dans la forêt. Avec ces jolis arbres, ces jolies forêts. Oh là 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 là. Petite surprise. Mais alors, quelle surprise. Allez, petit détour par les pistes pour découvrir le lac de Gaudivet, le lac d'en haut. Regardez-moi ce coucher de soleil. Oh, c'est Jaco qui va pas aimer la piste parce que elle est bien défoncée. Heureusement que j'ai mes pneus en 47 là. Et Jaco il va pas aimer. Ça secoue bien, mais alors la récompense, vue magique. Et voilà, pour dire au revoir à la journée. Redis-moi ça mon Jaco, qu'est-ce qui se passe? C'est la galère. Il te fait passer par un gravel là, c'est pas possible. C'est trop dur en fait. Que dit Jaco, le vétéran du Biking Man, sur cette portion gravel? Avec la difficulté du parcours déjà avant, c'est pas tellement utile. C'est très cassant. Très cassant, très cassant. T'as regardé quand même? Oui, c'est magnifique. Oui, je sais bien que c'est magnifique. On aurait pu arriver par là. Hein. Je sais bien que c'est beau. Tu veux envoyer un petit message à Marco? Je l'enverrai à Marco. Là. Je te remercie Marco. C'est sympa. T'as qu'à venir le faire. Hein. Le tuer le malin chez toi, là, dans le canapé. Là. Ouais. Et oui, on est régalé par l'Auvergne. Oh, le coucher de soleil derrière nous. Magique. Magique. Voici arrivé à Issoire. Ils sont dedans. Après une petite journée sublime et une descente, mais alors fabuleuse. Fabuleuse. Mais le froid reste vraiment le challenge numéro 1 de cette épreuve. Vraiment, les conditions de froid et de température, très très délicat d'arriver à trouver les bonnes fringues. Donc il faudra s'y pencher avec attention les amis. On se voit demain. Voilà, c'est le départ matinal. Vu que le confinement nous impose d'avoir la fermeture des restaurants, eh bien Didou a créé son propre resto. Donc on est en train de développer une chaîne de franchisés. Les franchisés du bocal. Allez, faut y aller. Oh le pétard. À la fraîche comme ça. Oh.
Allez mon Jaco. C'est du vin là. Ouais. Ouais. Du vin à 20%, hein, pas le Beaujolais. Ouais. Le Beaujolais c'est plus tard. Hein. Même le GPS se coupe tellement on est lent. Levé du jour. Elle est longue mais on va pouvoir en profiter. Waouh, 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 l'ambiance forestière. Superbe. Descendu forêt. Magnifique. Et en direct de Noirétable. Cette fois avec Jaco. La dernière fois c'était avec Hervé. On a dormi dans ce village pour la route du diable. Ouais. Et là on se fait un petit gueuleton. Sympathique. Croissant, quiche et un Guillaume Tell. Alors là je peux pas vous décrire ce que c'est, mais ça va être délicieux. Allez. Route d'Amiens, Souternon, dans la Loire. Il fait plus chaud, c'est moins vallonné, mais il y a plein de petites bosses. Rien de facile. C'est clairement la partie où ça roule un peu. On peut dérouler les jambes, se faire du bien physiquement, récupérer les deux premières journées qui sont quand même monstrueuses. Avant les deux dernières, demain et après-demain, qui sont... Allez, on a des supporters. Ils sont venus sur le bord de la route. Coucou. Comment ça va, Jaco? Ça va, ça va. 10 000 mètres de D+, déjà, hein? Ouais. Dans les jambes? C'est pas mal. Dans le dur? Non, non. On est en prise. Heureusement, la vue est là. Mais... cette petite portion n'a rien de facile. Elle est plus plate, mais tout est en prise. Waouh. Mais est-ce que le vélo facile existe, hein? Vous avez 4 heures sujet de philo. On est dans le Beaujolais. Plein cœur. Plein cœur. Je suis poursuivi par un type étrange. Il a un trépied, il me fait peur. Le Beaujolais et les pierres dorées avec des maisons magnifiques. Couleur or. C'est vraiment du beau. Et nous voici arrivés à notre gîte. Après une journée. Belle journée marathon, assez longue pour sortir de la banlieue lyonnaise. Nous voici à Villebois. Je suis carbonisé. Carbo. Pas assez mangé, le genou a payé. Mais bon, on est arrivé avec Jaco. Ah, tout va bien. Tout va bien. Et en plus, on a pris de l'avance parce que là, on a fait une grosse journée. Parfait. C'est où, là ? Il est temps de se mettre au chaud et d'aller manger. Direction le Grand Colombier. Ça sent la faim. Jaco a tout dit. Ça va être... On approche, on approche. On approche. Grand Colombier, Chambéry. Et après, on ne sait pas. Et après, advienne que pourra. Comme vous pouvez le voir sur mon visage, j'ai très bien dormi. Aïe, les amis. Je peux parler un peu. On revient en deux, là. Allez, petit réveil matinal après ce bon petit déj. On a attaqué la matinée du jour 4. Chartreuse. Regardez ça. Oh là là, Dieu que la France est belle. Malgré quand même un petit syndrome rotulien. Toujours bien penser à contrôler ses côtes, les amis. Des fois, le vélo bouge tout seul. Il vit. Donc là, on va faire un petit réglage en haut avec Jaco. Histoire de corriger cette petite... douleur rotulienne sur l'avant du genou, synonyme de hauteur de selle.
ou d'autres choses, mais là, en l'occurrence, pour bien connaître ce syndrome, c'est la selle. Mais ça n'empêche pas de profiter des paysages. Avec l'ami Jaco, 69 ans, ça me laisse encore du temps pour être enthousiaste sur la bicyclette. Et voici le col de Porte. Avec l'ami Jaco. Regardez ça. Vous pouvez même voir ce superbe paysage qu'on voit en reflet dans le panneau derrière là-bas. Ah, la GoPro en rien malheureusement. Très très belle ascension. Un petit final aussi sympa. Hein, ouais. La dernière patate là. Ouais, c'était pas mal. Très sympa à l'aube avec la vue sur tout le plateau lyonnais là. Les centrales nucléaires et toute la lumière de cette électricité produite à profusion. En direction maintenant du Grand Colombier. Une descente. Hein. Descente Colombier. Et après Grand Colombier. Le plus gros morceau. Le plus gros morceau. Col des Portes. Regardez ça. Massif de Chartreuse. Splendide. Jaco est là. En forme l'animal. En direct de la descente du col des Portes à l'approche du Colombier. Frigorifié. Et ben on a eu froid. Frigorifié. Oh, j'arrivais plus à pousser sur les guiboles. C'était tellement froid. J'arrivais plus à pousser sur les jambes. Oh, les doigts gelés. Les mains, les pieds. Comment ça va, Jaco? Ça va, mais on a eu très froid. Et on a très froid. Et là, on rêve d'un chocolat chaud. Il est là-bas, l'objectif. Et on n'est pas arrivé, hein. En pleine session de VO2 dans le Grand Colombier. Prévoyez les braquets, les gars et les nanas. Parce qu'alors là, là ça pique. Là. J'ai lu 23 tout à l'heure. 23%. Objectif, pas mettre le pied à terre. Ouah. Eh ben, un grand colombier, c'est quelque chose. Hein. Se taper le grand colombier à ce niveau-là, ben, ça cuit un peu les jambons. Après une descente frigorifiée qu'on a fait ce matin, c'était quelque chose quand même. Mais la vue est magnifique, c'est merveilleux, une montée exceptionnelle, sans aucune voiture, avec un paysage dans la forêt qui est fabuleux. Et voilà, tout ce que j'ai à dire. C'est que du bonheur. La selle de Fromentel, ça bascule un petit peu. 6% au lieu des 15. Voilà la vue. Regardez-moi cette brume au loin là-bas. Grand Colombier. Il n'y a pas que le nom de grand. Dis-moi. Splendide. Dur, mais alors, waouh! Cette sortie de la forêt là, c'est incroyable. On rappelle un peu le Ventoux. On est enfermé, emprisonné. On a l'impression qu'on va jamais en sortir et d'un coup, bam, on arrive sur une crête avec un point de vue. Le voici, le monstre, le mastodonte, le grand colombier. Alors là, bon baiser de France. Regardez-moi ça, vue sur le Mont Blanc en face, mer de nuages juste devant nous. Là, c'est des conditions exceptionnelles. Exceptionnel. Et un col plus dur que le Ventoux pour moi. Mais alors, quelle bête. Splendide. Tellement les atmosphères sont différentes. Il faut venir. Rien que pour ça, il faut venir. Il descend depuis Culose. Et voici
voici près du lac du Bourget. En direction de la trilogie de la Chartreuse. Je sais pas si on va le faire en une journée, puisqu'avec le Covid, tout est fermé. Donc on va voir, peut-être que ce sera une étape monstrueuse demain, et une étape légère aujourd'hui. Et nous voici sur la piste cyclable, qui nous permet de nous exfiltrer de Chambéry. Après le lac du Bourget, massif des Bauges derrière nous. Très sympa cette piste. Ça permet de ne pas subir la pression du trafic pour sortir de la ville. Et on s'arrête très bientôt pour demain bien se reposer avant le King Stage. Ça promet demain. Et le dernier jour en compagnie du Père Noël Jacques. Allez, ce soir à Valence, hein ? Hein ? Valence ce soir. Ouais. Le King Stage. Avec la trilogie de la Chartreuse et le Vercors en finale. Là, on part de Chambéry et il fait. La Chartreuse, le Vercors. 0, 1 degré. Pendant ce temps-là, le GPS galère toujours à charger la trace. Ça, il faut être patient. C'est mon tour. T'as pris tes pneus neige ? Ouais, ouais, on est obligé. C'est une obligation ici. On est à 9 km du col du Granier. Boum ! Celui-là, il est cadeau au matin. Très belle ascension. Difficile au début, les 3 premiers kilomètres, mais après, régulier. Magique. Après Granier, Cucheron. Oh là là, la Chartreuse. Au réveil. Enfin, au réveil, ça fait déjà 3 heures qu'on est réveillé. Ça va, mon Jaco ? Ça va, ça va. Ah là là. Allez. La neige nous accueille. Numéro d'équilibrisme dans le troisième col, enfin, de la trilogie de la Chartreuse, col de Porte. Avec les copains supporters sur le bord de la route. Voilà, moins 3. Encore un peu de dénivelé. Ah, ça passe bien ces trois cols. On attend juste que le soleil sorte. Parce que ça pique et ça se voit sur mon visage. Le voilà, le soleil, regardez. Au moment où le vélo est accroché au mur, le soleil arrive. Dans les arbres, au dernier kilomètre du col de Porte, dans la forêt domaniale de Grande Chartreuse, et ben le final sur la trilogie est pas mal, hein. Autant les deux premiers ça va, autant celui-là il commence à piquer. Mais bon, on est dans un cadre idyllique. On peut causer avec les arbres. Pas bavard. Hein. Mais en tout cas, ils sont bien là, les spectateurs. Sylvie Colle. Allez, direction le Vercors après ça. Au sommet du col de Porte. La belle trilogie, à présent terminée. Avec Jacques la légende qui est en train d'arriver, tout en gestion de l'animal. Direction derrière nous. Le Vercors. En plein sur la voie verte pour s'exfiltrer de Grenoble. La voie verte. Les arbres, une voie privée, tranquille pendant 40 km. Sympa, non ? Vous êtes prêts ? Bouquet final. Le bouquet final de Jaco. La surprise du chef. Avant le retour dans la région de Valence, le col de la machine. Et oui, vous avez bien entendu, il n'y a pas que le nom. Regardez-moi ce profil. 27 km, presque 1007 de D+.
avec une belle rampe. Ah, ça va faire du bien ça après quasiment 17 500 de D+. Les jambes sont prêtes là, on est à l'affinage suprême. Allez Jaco! Allez! On y va, on y va! C'est la rampe la plus difficile là. On se voit en haut? Col de la machine dans la boîte. Et maintenant il nous reste 15 km de petite bosse. Un bon morceau, le col de la bataille. Oui, c'est fini ça. Là on est dans la forêt de. Fini. Forêt de Lente. La forêt de Lente. Au lieu de résistance. Qu'est-ce qui s'est passé ici avec la résistance, Jaco? Les Allemands ont débarqué à Bassieux, ils ont massacré énormément de personnes avec des planeurs. Ça a été un massacre. C'est là, au lieu de la résistance du Vercors, est parti dans ces coins ici. Voilà. Hommage obligatoire. Hommage obligatoire. Devoir de mémoire. Devoir de mémoire. Voilà. L'avant-dernier. Ouais, col de la bataille, 1313 mètres. L'autre, c'est de là. Et nous voici dans le col des Limouches, le grand final de ces 73 ascensions. Alors là, que dire si ce n'est extraordinaire. Et on termine cette cinquième journée avec quasiment une pleine lune. Mes amis, le monde ne peut pas être plus beau. Il faut venir pour en faire l'expérience. Biking Manora. Fin de la reconnaissance, il nous reste une trentaine de kilomètres pour rejoindre notre gîte. Et je vous quitte dans le silence des étoiles.